L'Arc de Triomphe de l'Étoile, appelé partout dans le monde Arc de Triomphe, est situé à Paris, sur la place de l'Étoile, à l'extrémité ouest de l'avenue des Champs-Élysées. Il est en fait le carrefour de 12 avenues percées au XIXe siècle. Destiné à être le mémorial des gloires militaires françaises, il reçut en 1920 le corps du plus modeste des combattants, le soldat inconnu. 3 ans plus tard, un ministre qui avait combattu simple sergent à Verdun, André Maginot, y allumait la flamme. Sous cet arc, la France a rendu un dernier hommage à quelques-uns de ses grands hommes, Foch en 1929, comme Victor Hugo en 1885. Une sculpture de Gechter évoque la bataille d'Austerlitz. À lui seul, l'Arc de Triomphe de l'Étoile a été un carrefour de l'histoire de France, où, depuis la tragédie de la Commune, en 1871, ont tour à tour été marquées ses heures graves et ses heures de joie.
dont on avait voulu qu'il surclasse ceux qui l'avaient précédé, l'Arc de Triomphe reçut très tôt les visiteurs de marque. Et depuis 1945, il n'est guère de figure de proue du monde contemporain qui, après Winston Churchill, ne soit venu s'y incliner. L'Arc de Triomphe est élevé sur un site privilégié entre tous, dans la perspective du Louvre et des Champs-Élysées créés par Colbert. À la Révolution, la place de l'Étoile, où s'élevait la barrière d'octroi des fermiers généraux, était devenue un lieu de réjouissance. C'est tout naturellement qu'on décida de bâtir, là, l'Arc de Triomphe, voulu et choisi par Napoléon Ier. Mais lorsqu'il entra dans Paris avec Marie-Louise, il dut se contenter d'un arc factice de toile peinte. En 1818, l'arc n'avait guère progressé, on parla de l'abattre. Mais Louis XVIII relança le projet à la gloire de l'armée des Pyrénées. Sans être achevé, l'arc traversa encore un règne pour être inauguré sous la monarchie de Juillet. Peu après, il devint le rendez-vous de tous les touristes qu'il est encore aujourd'hui. Avec le siècle nouveau, la place de l'Étoile fut gratifiée d'une bouche de métro du plus beau style 1900. Et un intrépide pilote d'aéroplane inscrivit dans les annales de l'arc un exploit jamais recommencé. Mais l'Arc de Triomphe aurait pu nous apparaître avec de bien curieuses proliférations tant qu'il a déchaîné d'imagination créatrice. Nous aurions pu avoir un véritable arc-en-ciel. Et même si le projet de Ribard en 1758 avait vu le jour, un éléphant réservoir pour irriguer les jardins des Champs-Élysées. Nous l'avons échappé belle. Au début du XIXe siècle, un homme change la face du monde en étendant les frontières de la France aux confins de l'Europe. Napoléon est au fait de sa gloire. Il se sacre lui-même empereur. Sur la place déjà en forme d'étoile à son époque, Napoléon a voulu l'Arc de Triomphe en l'honneur de sa grande armée et de ses victoires. De nombreuses sculptures ornent les parois, rappel des grandes victoires ou représentations allégoriques comme la plus célèbre, la patrie et la liberté.
flamme du tombeau du soldat inconnu est chaque jour ranimée en hommage à tous les valeureux guerriers morts pour la France. Sur les faces internes de l'arc sont gravés les noms de 558 généraux et des batailles qu'ils ont livrées. Napoléon ne verra jamais l'aboutissement de son colossal projet.